Une après-midi festive s'est terminée plus tôt que prévu. Lundi, des étudiants organisaient une fête spéciale jean dans une boîte de nuit des Marolles. Les festivités ont débuté à 14h, mais la soirée, ou plutôt l'après-midi, est devenue incontrôlable d'après le personnel de sécurité sur place. Des bouteilles de verre ont été lancées. La police a dû intervenir. Écoutez Ilse Van de Kerk, porte-parole. Il y a eu une sorte de bagarre qui a éclaté dehors et donc notre moyen jugé le plus efficace à ce moment-là, c'était d'utiliser du gaz pour en fait disperser les jeunes parce qu'à plusieurs reprises, on avait demandé de quitter les lieux vu que la fête était terminée. Nous avons également eu plusieurs appels de riverains comme quoi il y avait des jeunes qui étaient vraiment dans un état donc sous influence de la boisson et également des personnes qui étaient sur le sol et qui étaient en fait dans un état d'ivresse quoi.